j'étais sur la route pour aller travailler avec Pauline. Bon, aujourd'hui, c'est 2h30 de boulot, un petit peu plus quand on compte les temps de préparation. Parce que dans l'animation, c'est comme ça. Et bon, c'est thème sport. Je suis super sportive. C'est toi qui vas faire le sport, Pauline. Hein? Je suis pas si sportive que ça non plus. Bon, je vais donner les directives alors. C'est petit, voilà. Allez. Non, bon, voilà, c'est pas nous qui avons choisi nos thèmes cette semaine. Et c'est un peu bâtard du coup. Sinon, la voiture, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment que Stéphane me regarde ça. Là, je n'ai carrément plus de frein à main. Voilà. Quand on démarre, elle siffle à mort. Et dans les montées, elle a un peu de mal. Donc, je suis vraiment obligée de descendre en régime pour les montées. Donc, j'aimerais bien qu'elle nous dure encore un peu. On a encore un peu besoin. Oui. Voilà. Donc, il faudrait vraiment qu'il regarde ça. Je pense pas que ce sera pour aujourd'hui. Demain peut-être, ouais. Bon, faut qu'on recasse ça dans notre vanille de ministre. Et cet après-midi, eh ben, c'est rangement dans le bus. Ouh, vous allez voir, il y a du boulot. J'ai un peu foutu le bordel récemment. Souvent c'est pas moi, mais là j'avoue, je suis coupable. Bon, allez, c'est parti. Bon, les faux filous, je crois que je vais pas m'ennuyer sur les jours à venir. Voilà, on est au boulot avec Pauline. Un petit aparté pendant que les enfants jouent à cache-cache. Pauline vient de m'annoncer mon futur planning. Si tu veux aller boire, je peux t'amener boire. Mais tu peux pas partir du club. Voilà. Il peut aller boire, mais il ne peut pas partir du club. Et donc, Pauline, c'est quoi mon futur planning pour te... De quoi? Hein? C'est quoi mon futur planning? Je ne l'ai plus sous les yeux, mais c'est à peu près tous les jours. À peu près tous les jours, toi, l'en aïe, toi? Hein? Pour faire ses cours de conduite, en plus du boulot. Ça va être chargé. Il n'y a pas le choix si on veut que j'ai mon permis avant de repartir. Le dernier mois. Ouais. On emmagasine. Bon. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Pour ma part, ça va être encore du tri. Pour changer, je vais peut-être faire aussi un petit peu de tri. Voilà. Un peu de montage aussi, après je sais pas trop quoi d'autre vous aurez pour l'instant en termes de contenu en ce qui me concerne. Sophie, elle a sa petite idée, voilà, ça sera cet après-midi. Voilà, bon, bah allez hop, faut s'y mettre, hein. Bon, et puis pour ceux qui sont pas très loin de Saint-Valery-en-Caux, ce week-end ainsi que le week-end prochain, donc on organise un vide-maison. Voilà, le samedi, le dimanche, de 10h à 19h. Voilà, donc si vous voulez nous faire un petit coucou, y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Voilà, avec Pauline, on a fait des petites heures sup. Non, pas des heures quand même. Des voilà. Des minutes. Voilà, une pauvre dame qui est tombée à la plage et qui s'est fait une entorse ou une fracture. On attend des nouvelles. Voilà, il y a les pompiers qui sont là, qui sont venus. Moi, je dis ce qui est top, c'est qu'au début, ils ne veulent pas se déplacer, les pompiers. Et quand ils décident à se déplacer... C'est 15 qui a dit, vous pouvez y aller tout seul aux urgences. Et quand ils décident à se déplacer, d'abord, il y a un véhicule qui vient. Il y en a un deuxième qui réplique. Voilà. Deux non, véhicules, mais bon, ça sert pas. Là, pour le coup, ça m'échaude un peu sur le coup. Ça m'a un peu énervée. J'ai dit, je regarde mon calme parce que le but, c'est pas d'énerver la dame qui est déjà pas bien. Ouais. Mais il voulait pas venir. Voilà. Vous êtes revenu jusqu'à votre logement de la plage. Vous pouvez très bien repartir. Sauf que la dame, elle était à la limite de tomber dans les pommes. Pas bien du tout, à cause de la douleur qui s'était bien installée. Et non. J'ai dit, non, elle peut pas. Quoi. Voilà. Donc, ils sont quand même venus la chercher. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ces situations-là? Parce que moi, ce n'est pas du tout la première fois où ça nous arrive de devoir appeler les urgences. Ils ne veulent pas venir et ils disent, mais vous pouvez très bien y aller tout seul. Je vous jure, vous vous êtes cassé quelque chose, vous avez mal et tout. Il faut y aller tout seul. Débrouille-toi, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, tu vas tout seul. Tu t'es coupé un doigt, tu t'as un bout de doigt en moins. Ça, j'ai eu une expérience avec une amie
Bah, tu y vas tout seul, tu sais, tu es en train de te vider de ton sang par la main, mais tu y vas tout seul, quoi. Enfin bon, petit coup de gueule du jour, ça me gave ça, ce raisonnement, putain, solidarité un petit peu. Voilà, donc, bah du coup, on part, on va faire nos courses pour demain, et puis, bah du coup, le planning va un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Je vous ai pas montré hier le cadre, en fait, le cadre de la maison. Donc là, comme ça. Et jusqu'au mois de septembre de l'année dernière, il y avait la haie là, qui allait vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette partie-là n'existait pas. Voilà. Et c'est tout ça qu'on a abattu. Derrière, il y avait plein d'arbres, tout ça. On a tout supprimé pour pouvoir faire rentrer Eden au fond. Comme ça. Et pourquoi on a acheté cette maison? On n'avait pas forcément un énorme coup de cœur à la base. Mais c'est juste parce que là, ici... On la voit un petit peu. L'école maternelle. Derrière, là-bas, on voit un petit peu, ici, l'école primaire. Et là, le collège. Donc, choix stratégique. Et on n'a jamais regretté. Hein. Voilà, les gamins sortaient de la maison, voire se levaient des fois à 8h25 pour commencer les cours à 8h30. Voilà, donc évidemment... trouver le moyen d'être en retard quand même. Hein. Voilà, ça c'est cool. Hein. Ça c'est cool. Voilà, c'est un petit couple de personnes d'une soixantaine d'années à peu près qui rachètent la maison. Il n'y a pas d'enfants, ce sera tranquille pour les voisins. Sinon, moi j'attends ma chauffeuse pour aller faire quelques courses et qui rentre du boulot. Attention, attention, ça va pas, non? Je te jure. Vous êtes grave, monsieur. On va faire des courses? On va faire des courses. Ok. Vous en êtes? Toi. Oh, mais j'ai foiré mon mode dual. On avait fait des petites courses dans un rayon qu'on adore. Dans un magasin où on aura mis pas mal, presque beaucoup de notre fortune ici. Hein. Ah, le Leclerc de Saint-Val. Alors Pauline, que passe? Eh ben j'ai reçu une lettre d'une abonnée. Ouais. C'est une abonnée, Mathilde, qui avait gagné une tasse Faux-fileur lors du concours. Et qui voulait m'envoyer un petit mot. Voilà, et donc, du coup, je lui ai donné l'adresse. Alors, on ouvre en direct. Oh, je reconnais la carte. C'est la même. Toi, la même. Bonjour Pauline, c'est Mathilde. Je te remercie beaucoup pour la tasse et je suis très contente d'avoir gagné. Je vous suis depuis un an environ. Je vous adore, ne changez pas. J'aurais besoin de pompons et ah, je vais faire que je traduise, je crois. T'en fais voir. J'aurais besoin de pompons et ce. Bon, on va lui redemander. Hein. Ah, est-ce possible? Ah, oui, d'accord. Si oui, quel prix du pompon? À très vite, Mathilde. Bon, bah, on va recontacter Mathilde. Oui. Et du coup, merci Mathilde pour ta petite carte. Ça fait très plaisir. Bon, les faux filous, l'heure est grave. Je ne sais pas quoi faire de ces cheveux. Alors, je vais les laisser pousser, c'est une évidence. Mais, allez, j'essaie de vous montrer. En fait, on a toujours l'impression que je ne suis pas coiffée. Mais si. Parce que ça part dans tous les sens. Comme si j'avais des bouclettes. Alors, je pourrais les lisser, mais on ne peut pas dire que ça soit le plus pratique. Et j'avoue, j'ai un peu la flemme. Et je ne suis même pas sûre qu'en les lissant, bah, ça améliorera ça. En plus, bah, j'ai les cheveux très très vite gras. Bah, là, ça fait que 2 jours que je ne les ai pas lavés. Et on dirait que ça fait 15 jours, 3 semaines.
donc, bon, je sais pas, au moins je me dis peut-être couper les petites rebiquettes là, les petites bredouilles pour que ça parte en carré au fur et à mesure. Ce serait peut-être déjà mieux, ce serait peut-être déjà un peu moins bâtard. Bon, je vais à la douche et puis j'aurais peut-être pris ma décision après. Ou pas. Ou peut-être ou pas. Bon voilà, une fois sortie de la douche, je me suis décidée à couper les petites rebiquettes là derrière pour essayer de partir plus. Hop, je vous montre parce que j'ai les longueurs là qui sont différentes et tout. Et me dire que ça reparte plus en carré, vous voyez, pour que ça pousse plus régulièrement, faire des coiffures plus jolies, vous voyez, faire ma belle. Faire ma belle. Mais sinon, je peux me coiffer comme ça, c'est pas mal aussi. Je peux me coiffer comme ça aussi, ce sera plus pratique. Il y a toutes les longueurs où sont fous. Voilà, mais sauf que bah, du coup, je dis, mais qui est partant pour me couper les cheveux? Ils ont pas du tout l'air rassurés. Mais pas du tout. Et je crois qu'ils ont très peur de faire une grosse connerie. Et non, du coup, non, Jeanne est partante. Mais là, sur ce coup-là, c'est moi qui suis pas partante. Je savais que ça serait Jeanne qui le fasse. Et du coup, eh ben, je sais pas qui va couper mes cheveux. Peut-être Stéphane. Mais Stéphane, il est où? Mais il est pas là. Donc voilà. Et c'est maintenant que je suis décidée. Et vous savez, quand femme veut. Après, je veux bien te les couper, hein, mais. Ah, je veux bien te les couper. Bon, on va voir. On va délibérer. Voilà, bon, en attendant qu'on prenne une décision pour les cheveux, moi je pense que je vais attendre que Stéphane arrive. Eh bien, je vais faire ce que j'avais dit ce matin, c'est-à-dire faire du rangement. Et là, vous allez voir le désordre autour. Et vous allez comprendre l'urgence. Alors, en plus, bah, je m'y mets beaucoup plus tard que prévu. Il doit être 17h, comme ça. 17h. Quelle heure, Mathéo? 16h41. Ah, ouais, 16h41, voilà. Et du coup, bah, je ne peux pas dire que j'ai encore la pêche à l'idée de le faire. Mais vous allez voir, c'est l'urgence. Et du coup, bah, je me motive. C'est parti, mon kiki, allons-y! In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I'm playing games, I create my... On vous fait une petite pause de time-lapse. Et on se fait une petite pause aussi, nous. Parce que, wow. Vous avez vu, il y en a du boulot. Hein. Et c'est pas fini. Mais franchement, j'en ai marre. J'aime pas le rangement. Vous aimez, vous, le rangement? Moi, j'aime pas ça. Bah, moi, j'aime que le rangement quand c'est satisfaisant et qu'il y en a pas beaucoup. Mais genre, il y en a au moins un peu. Ah bah, c'est plus satisfaisant quand il y en a beaucoup, justement. Quand on voit le résultat à la fin. Mais faut ouais, le mais surtout en time-lapse, en fait. Parce que, surtout au niveau des canapés, quand c'est en désordre... On fait les trucs bien et ensuite... En fait, il y a plein de trucs qu'on voit sur les vidéos qu'on ne voit pas quand on est dans notre quotidien. On ne voit pas de la même manière. Mais là, on le savait. Hein, Il y avait du bordel, les amis. Donc, du coup, bon, on se fait une petite pause. Alors, une petite pause, c'est beaucoup dire. Moi, je vais trier les paperasses, les courriers qu'on a reçus pendant qu'on n'était pas là. Il y a de la pub, il y a de tout. Il n'y a pas que de la pub, donc il faudrait pas perdre des choses. Ah non, il n'y a pas que de la pub, il y a des cartes sport pour moi aussi. Il faudrait pas perdre des choses au milieu. Et puis après, bah, je m'y remets. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon coiffeur. Et il n'a pas l'air super rassuré non plus. Bon, faut bien que quelqu'un me coupe les cheveux derrière. Hein. Je veux dire, ça peut pas être pire que si moi je le fais toute seule de couper derrière. On verra bien. Voilà. Vous en direz des nouvelles. Au pire, c'est pas grave, ça repousse. Hein. Ouais, enfin bon, là le but c'est de laisser pousser, donc... C'est joli comme ça. C'est paradoxal même. Bon, qu'est-ce que je coupe? Bon, on monte le résultat après.
Voilà, après le passage du professionnel. Bon, vous lui dites pas que j'ai fait un trou derrière. Hein, ça va engueuler sinon. Hein, voilà, un petit peu égalisé au niveau de la nuit qui est du côté. Wally Wally. Alors, ouais, je me sens plus légère de la nuque. Ouais, pour moi, je trouve que tu le fais bien. Ah, je le fais bien. Voilà. Bon, on verra ce que ça donnera en séchant, en fait, surtout. Allez, c'est reparti pour le rangement. Ouais, youpi. Les faux filous, le résultat est pas probant, parce que franchement, bah, on arrive en fin de journée, et comme ça arrive dans la vie de tout le monde, eh ben, trop de choses à faire dans une journée. Trop. Du coup, le ménage, bah, ça a été fait en grosse partie. Mais franchement, à ce heure-là, il y en aura le cul. Faut le dire, clairement. Donc, on est quand même à faire d'autres choses. On prépare les wraps pour demain. Pour le pique-nique. Tout en même temps, on se fait un petit apéro. Et puis voilà, donc c'est quand même un peu rangé. Hein, là-haut? C'est un peu rangé. Les chats sont rangés. On a avancé. Là, il y a un peu moins de choses sur le clavier. Il y a juste une casserole. C'est normal. C'est la casserole avec laquelle Stéphane a fait le café. Bah, une gamelle. C'est ma balance de clavier. Oui, une gamelle parce que Stéphane a donné à manger au chat. Donc, hein. Après, voilà. Hein, on a toujours un peu de bazar, quoi. Il retire en vitesse. Vous avez vu comment on peut faire? Il retire en vitesse. On n'avait rien vu. Vous avez rien vu. Oui, oui, on le voit, le clavier. Voilà. Ah, t'es gamelle, toi. Donc, ça a avancé. Bon, à la vaisselle, en fait, il y a eu posé là, toujours, parce qu'elle n'arrêtait pas de les faire tomber, les gamelles. Voilà, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est clairement pas fini. Et ce sera pas demain, je serai pas là. Mais après, il n'y a pas que moi qui fais le rangement dans le bus. Donc, j'aurai peut-être une bonne surprise en rentrant. On a le droit d'espérer. Hein, voilà. C'est pas Pauline qui fera la surprise. Bah non, je serai pas là non plus, je serai avec maman. Elle travaillera avec moi. Oh, j'ai toute petite. Et moi, je dis, ils vont m'abandonner. Ils m'abandonnent, je dis. Du coup, moi, je dis, je fais le club de 10h à 12h30 sans maman. Voilà. Et de 12h30 à 20h, eh ben, je vais devoir rester au VVF parce qu'ils seront pas là pour revenir me chercher. Voilà. Et à 20h, de toute manière, il y a la veillée au VVF. Mais ça, c'est jeudi. Donc, de 20h à 22h, il y a club aussi. Voilà. Donc, je suis obligée de rester entre deux. Et Stéphane, il... Je vais m'occuper, je vais trouver des choses à faire. Vous avez vu? Une fois séché, c'est pas mal. Bon. Allez. Normalement, cette vidéo s'arrête là. Et on vous dit comme d'habitude. Sauf s'il se passe des trucs inattendus. Donc, on vous dit comme d'habitude. N'oubliez pas les petits pouces, c'est gratuit, les commentaires, on vous répond tous les jours. Et puis abonnez-vous, c'est gratos aussi. Oh, c'est magnifique ce monde où la vie est gratuite. Pouce. Voilà, un petit pouce. Chourimi. Pouce et on vous aime.